Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis pas tout seul, je suis avec le frérot. Salut. Et là, on va essayer de vous montrer 5 bons leurres pour pêcher le brochet en cette fin de saison. C'est des leurres qui sont générales. Chaque biotope et chaque endroit a différentes façons de pêcher le brochet, surtout en cette saison. Et vous allez pouvoir vous adapter. Maintenant, ce qu'on va vous montrer, c'est des produits ou des leurres qui vont fonctionner un petit peu partout. D'accord? Donc c'est parti. On va commencer en surface et là je vais vous parler du swim bait. Le swim bait, c'est tout simplement un leurre dur ou souple qui va imiter un poisson, la nage d'un poisson. D'accord? C'est vraiment ultra réaliste et c'est vraiment bien de pêcher ça, surtout dans les zones shallow ou un petit peu plus profondes quand vous avez des swim baits qui plongent. Il existe plusieurs types de swim baits, donc celui-ci est sans bavette. Il y en a d'autres avec bavette qui descendent un petit peu plus sous la couche d'eau. Je vais vous parler d'un leurre qui est obligatoire d'avoir dans sa boîte, c'est le jerk. Donc différentes tailles, différentes couleurs. Moi j'aime beaucoup les coloris rouges ou les coloris style parotte, ça marche très très bien pour le brochet. Il faut pas être un expert pour animer ça, donc le swim c'est du linéaire, ça va être des jerks, d'où son nom. Ou alors certains jerks, par exemple celui-ci, ou alors les swim de chez Westin fonctionnent en linéaire. N'hésitez pas à faire des longues pauses, ça marche très très bien aussi. Il y a aussi un leurre qui est incontournable pour l'hiver et pour l'été, et qui marche bien toute l'année même, je vais dire, mais surtout l'hiver, c'est bien, c'est le chatterbait. Donc l'avantage, c'est qu'il fait beaucoup de vibrations et vous allez pouvoir pêcher dans plusieurs couches d'eau et garder surtout la hauteur d'eau avec la palette qui va vibrer fortement. Vous pouvez rajouter derrière un trailer, là il y a une écrevisse, mais vous pouvez mettre une queue de chat, vous pouvez mettre un finesse. Bref, en fait, c'est un super leurre. Pareil, à ramener en linéaire, avec aussi des stop and go, ça marche bien. Avec des accélérations, ça marche aussi super bien. Donc un leurre vraiment à avoir dans sa boîte pour pêcher l'hiver le brochet. Ensuite, on a l'incontournable spinnerbait. On reste dans les vibratoires. Cette fois-ci, c'est des palettes, tout simplement. À la base, fait pour le bass, mais qui fonctionne extrêmement bien chez nous pour le brochet. Différentes tailles, différentes couleurs, différents grammages. Là, vous pouvez pêcher partout. Ne négligez surtout pas à la descente, parce que ça marche vraiment très très bien. C'est on va dire une descente en forme d'hélicoptère, c'est-à-dire que les palettes vont se mettre en action à la descente et c'est vraiment très très prenant, surtout en hiver. Pour finir, on était obligé de parler de celui-là parce que tout le monde pêche à ça, c'est le shad. Donc le shad tout simple, hein. Donc là c'est un 15 cm, c'est un shaker de chez Lunker City, monté avec une tête plombée en 12 grammes, 14 grammes. Voilà, plus ou moins lourde en fait. Voilà, c'est ça. Coloris naturel, écoute, après selon la couleur de l'eau, etc., vous adaptez, vous mettez des couleurs flashy sur une eau teintée et inversement des couleurs beaucoup plus claires et plus naturelles sur une eau claire. Exactement. Comme ici sur le Lot. Ouais. Donc à ramener en linéaire, c'est très bien, vous pouvez faire des stomp and go, des accélérations, pareil vous pouvez trouver où se tiennent les poissons en essayant de descendre plus creux. Et pareil, si c'est une zone shallow, en pêchant un peu plus léger en tête plombée et en pêchant plus en surface. C'est ça. Mais n'hésitez pas à augmenter la taille de vos leurres, surtout fin de saison, parce que les poissons vont potentiellement cibler les grosses proies. C'est le rapport dépense d'énergie et proie, enfin, c'est-à-dire nourriture, qui va vraiment faire son importance fin de saison. Surtout avec le refroidissement des eaux. C'est ça, exactement. Les autres sont en train de pêcher, moi je vais vous expliquer où sont les brochets en ce moment. C'est pas facile de les trouver, effectivement. Nous-mêmes aujourd'hui, c'était très difficile. Je vais vous donner 5 postes qui sont vraiment favorables pour pêcher le brochet en toute saison, mais surtout cette fin de saison qui va être primordiale pour pêcher le brochet. Le premier poste, ça va être les zones shallow. C'est quoi une zone shallow? C'est une zone qui est très peu profonde. Souvent, il y a des herbiers, des nénuphars. Et là, en ce moment, ils sont en train de tomber. Du coup, les brochets, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se mettre collés au fond, juste à regarder au-dessus d'eux, voir ce qui se passe. Et c'est souvent bon. Et ben, il fait un poisson en direct. Il fait un brochet. Voilà. Putain. Voilà. Hey, non, mais sans déconner, on drop. Tiens. Un drop shot, c'est quoi? Tiens. Et donc du coup, là vous voyez, il a pêché un autre spot, je vais vous en parler tout de suite. Donc pour les shallows, ça va être très simple, il faudra le pêcher avec des shads, avec des swim baits ou avec des jerks. Ça peut être vraiment très intéressant. Pour le deuxième spot, ça va être les arbres immergés. Ça c'est un spot vraiment qui attire la vue de l'œil du piker. C'est vraiment hallucinant, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de poissons, que ce soit du brochet ou les autres poissons, dans les arbres immergés.
Donc je vous conseille d'y pêcher. Attention à ne pas vous accrocher. Les crancs, les jigs sont vraiment des armes absolues pour pêcher le brochet dans les arbres immergés. Pour le troisième endroit, le troisième spot qui est vraiment bon, c'est justement les tombants. Les tombants, c'est quoi? Vous imaginez qu'il y a la berge et tout de suite, il va y avoir un tombant ou un cassant. C'est-à-dire que ça va passer de 1 mètre et tout de suite à 4 mètres. Et donc ça, c'est vraiment un très bon endroit pour pêcher le brochet. Au shaker. Yes. Pour les quatrièmes spots, ça va être des spots oxygénés. Comme vous avez vu dans la vidéo, mon frère a fait un poisson dans une zone très oxygénée. Pourquoi ils sont là? Souvent l'été, ça crée justement une zone d'oxygène, donc les blancs y sont et forcément les carnassiers y sont. Là, pour cette saison, c'est pareil. Il y a une grosse réserve de bouffe. Du coup, les poissons, ils vont être à ce poste-là à bouffer les baitfish. Donc c'est un très bon poste à prospecter avec des crancs, des shads et des spinners. Ça peut être pas mal. Et toutes les panels de leurre peuvent être aussi très très bien pour pêcher ces spots. Et pour le cinquième et dernier spot, c'est avec les obstacles immergés. C'est-à-dire les structures, par exemple un pont, une descente de bateau, par exemple les pontons, c'est vraiment des super spots. Et ne négligez jamais ces endroits parce que ça réserve souvent des très très belles surprises. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que cela vous a servi. N'hésitez pas à, dans les commentaires, à rajouter aussi des spots qui vous semblent primordiaux pour pêcher le brochet. Je vous souhaite une très bonne fin de saison, on se retrouve très bientôt, bye bye.